Oui, je suis absolument désolé pour ce retard, mais il faut que vous sachiez quelque chose de terrible. Le micro marche. Et j'ai toujours pas le vu mettre, mais on va dire que le micro marche. Si, j'ai le vu mettre. En fait, voilà, non, la machine à café marche pas bien. Et je sais pas à quel point vous imaginez. On dirait vraiment que t'as des alcoolos à qui on a retiré leur bouteille, quoi. Mais la machine à café qui marche pas dans une rédaction, enfin, vous voyez, on n'est pas bien. Quoi. Là, j'ai réussi à faire couler un café, mais c'était un peu limité. Donc, bonjour, et désolé pour ces 2 minutes de retard. On va jouer aujourd'hui à SCP Secret Files. Et si vous demandez pourquoi SCP Secret Files, eh bien, je vais vous répondre, je ne sais pas. Si, en fait, je sais, c'est qu'il est déjà sorti, il a l'air pas mal, et pour un jeu SCP... Et ouais, mais le thé, alors le thé, c'est le café du faible. Je bois du thé quand je suis arrivé à ce stade de la journée où je sais que boire davantage de café serait ce que les psychiatres appellent une prise de risque. Voilà, ce serait vraiment une volonté de se mettre en danger. Et je me dis non, là on va passer au thé plutôt. Mais tant qu'on peut, faut boire du café. Bref. Donc SCP, pourquoi? Parce qu'il a l'air pas mal et on a pas mal de j'aurais bien écrit un petit truc sur les jeux SCP en général. Alors une époque ça m'est arrivé quand je voulais pas boire de bière dans les bars, je buvais du jus de tomate au cartilage, figure-toi, et Julie se moquait de moi. À chaque fois je commandais un jus de tomate et Julie était là parce que Julie, elle rigole comme ça, et elle se moquait de moi, c'était très cruel. Elle pousse à la consommation d'alcool. Donc, SCP, allons-y. Donc oui, il a l'air pas mal, et je me disais que ce serait l'occasion, peut-être, dans le mag, de faire un petit... Mais oui, voilà, je sais que c'est ridicule, le jeu de tomate. Le jus de poulet, le truc horrible. T'arrives dans un bar, t'es chaud pour prendre un grand verre de jus de poulet. Donc ouais, Oui, c'est vrai que le café... tu sais, c'est marrant, Vegabit, je pensais à ça tout à l'heure, alors qu'on était tous autour de la machine à café. Je suis désolé, je fais beaucoup de mousse avant de lancer le stream, parce que j'ai pas envie de jouer à Secret File tout de suite. Je me disais, c'est fou, quand même. C'est le seul... Il y avait tous les gens, on est d'honnêtes travailleurs dans une entreprise tout à fait normale, et on était tous comme ça autour de la machine à café à attendre, ce qui est quand même un psychostimulant, quoi. Et on n'imagine pas des gens dans une entreprise arrivent le matin, bonjour, et là t'as deux mecs assis par terre dans la cuisine en train de se faire un rail d'héro, ou un rail de coke, ou de s'agiter de l'héro. T'as pas ça. Mais le café, oui, c'est accepté socialement, ça pose aucun problème. Et Fred Gond, oui, évidemment, que quand je commande un jus de poulet, c'est comme l'ombrelle, ou la tranche de citron dans le coca, il y a toujours une patte de poulet qui dépasse, hein, pour décorer. Donc, je me disais, ce serait bien de faire, avant de m'interrompre à nouveau, une sorte de synthèse un peu de tous les jeux SCP, parce que mine de rien, il y en a pas mal. Et du coup, ce sera intéressant, en fait, de le faire. Donc voilà, je me dis, on va partir de celui-là, et on va voir ce qu'on en fait. Et sur ce, regardez comme c'est bien fait. Elles sont tellement bien, les nouvelles scènes de Monsieur Chat, je n'en reviens pas. Alors, je n'ai jamais lancé le jeu, donc je vous demande, est-ce qu'on le lance en français, sachant que... Oh ouais, on générera des Pokémon après. J'ai envie de faire un stream uniquement génération d'images. Mais là, j'ai le problème, c'est que j'ai un emploi du temps beaucoup trop chargé ces temps-ci. Mais je ferai un stream génération d'images. On prendra 2 heures à générer des trucs avec un peu tous les... voilà. Donc, est-ce qu'on le met en français? Ou est-ce que, sachant que vu le budget du jeu, je pense que ça va être pas très bien traduit. Ou est-ce que on le met en anglais pour pas prendre de risques? C'est vous qui voyez. English, pour favor? Non, allez, on entend en français? On tente en français, si la traduction est mauvaise, on repassera en anglais. Donc voilà, vu que ça pourrait être rigolo de faire un truc sur l'SCP, parce que bah, y avait Al236 qui avait fait une très bonne vidéo sur la fondation SCP. Mais on ferait tout, du coup, Owen. Ouais, il faudrait que je vous montre GPT-3, il faudrait que je vous montre tout ça. Donc c'est marrant de voir un jeu qui démarre avec une mention du type de licence Creative Commons. Bon, c'est assez cool comme idée. C'est fou d'ailleurs à quel point SCP, comme vraiment un truc de création collective ouverte, c'est devenu vraiment... ça a vraiment pris une ampleur considérable, quoi. Vous me dites, hein, si le niveau de la musique est pas bon... Voilà, là on est dans la fondation SCP et on les entend, ils boivent du café.
SCP, c'est que ça veut dire Secure Contain Protect. C'est une sorte. L'origine, c'était un site. C'est une sorte d'œuvre collective où des gens peuvent. C'est une sorte de wiki en fait. Hein. C'est un wiki où tout le monde peut participer. Et les gens créent des fiches qu'on appelle du coup des SCP. C'est et c'est et en fait c'est une sorte d'œuvre collective de fiction, un peu d'horreur, un peu de SF, un peu X-Files si vous voulez, où les gens voilà s'amusent à créer, rajouter des fiches. Et alors certaines sont devenues très très célèbres, d'autres, la plupart sont méconnues, mais certains sont devenues très très célèbres à tel point qu'il y a eu des jeux qui ont été adaptés de ça. Et donc c'est devenu vraiment une sorte de bah de travail collectif assez considérable, et tout est surtout sous licence Creative Commons, donc ça permet de faire des adaptations très très facilement. Est-ce que les théories du complot ne sont pas une grande œuvre de fiction collective? Ben, c'est une très bonne question, Charles, parce qu'il y a des articles qui ont été écrits notamment sur QAnon, montrant qu'en fait ça fonctionne vraiment comme un ARG, en fait. Que c'est une sorte de jeu de rôle dans lequel certaines personnes, sauf que là, certaines personnes y croient vraiment, d'autres y croient moins et s'amusent un peu là-dedans, une forme de troll, et c'est super intéressant. Mais il y a une dynamique commune entre les deux. Ouais. Je ne crois pas vous connaître, je peux vous aider. Allez hop, on va être poli. Merci Denis. Mystérieux et merveilleux. C'est comme ça que j'ai été recruté chez Canard PC. On est venu me voir dans un bar et j'ai dit c'est mystérieux et merveilleux. Oh. Alors, ah oui, on a bien fait de le mettre en français, comme ça j'ai pas à lire. Fondation accorde une grande importance à vos connaissances, à votre expertise. Nous croyons fermement que vous pouvez celui que nous recherchons. Vous occupez le poste d'archiviste assistant dans le département des archives, dans le groupe 3. Le directeur checker, voire votre supérieur. Au bureau de la sécurité du secteur Epsilon. C'est un Epsilon, ça? Je sais plus. Faut que je révise mon grec. À 9h, pour récupérer votre badge employé, c'est ma passion de travailler avec vous. Sigma, mais oui, j'avais un doute. Sigma, en effet. Vous avez raison. Non, non, t'es pas Shadowban, Blob Marais. Le jus de tomate est mystérieux et merveilleux. Oh là là, on dirait le début d'Half-Life. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life has been upset. However, no matter how advanced our technology, no matter how great our... Ah oui, il y a des budgets quand même. Parce que la plupart des jeux SCP, c'est vraiment des trucs qui ont été faits par un type seul dans sa cave. We don't know where they come from or what their purpose is. Franchement, ce serait tellement bien. Ah, on devrait shadowban tous les modos. Ce serait très très mystérieux comme communauté. Oui, il faut que je relise mon grec, oui, c'est... J'ai pas dit relise, je veux dire révise, ce serait, ouais, mais... Oui, oui, mais c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point la scène d'Indiana Jones, elle a marqué les gens, quoi. Oh, il y a plein de monstres dans les boîtes. On dirait, elle a marqué l'imaginaire, et c'est ouf. Bah, même notamment, bah, prenez Cabin in the Woods, c'est clairement une grosse influence aussi. Hein. Et ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'apparemment, justement, c'est sur plein de... D'où le nom SCP Secret Files. Il y a plein de fichiers différents des SCP. Putain, l'intro est vraiment cool. Hein. Ce qui change de la plupart des mini-jeux SCP, qui, où généralement, ils prennent un cas, notamment le plus célèbre, vous allez me rappeler le nom, c'est le 437, je sais plus lequel c'est. Le SCP qui, en fait, vous tue quand vous fermez les yeux. Donc, si vous, en fait, il peut pas bouger tant que vous avez les yeux ouverts, mais si vous clignez des yeux, il se déplace incroyablement vite. Donc rien qu'un clignement d'yeux, le truc il est au bout de la pièce, vous clignez des yeux une fraction de seconde, il sera devant vous, quoi. Et ce qui est génial comme concept pour un jeu d'horreur. Et il y avait un jeu adapté de ça, mais c'était vraiment un truc bricolé par une ou deux personnes. Il n'y avait pas des jeux à moyen budget, quoi.
C'est pas Slenderman. Slenderman, c'est pas un... Ah merde, QWERTY, toujours QWERTY. C'est pas un... Slenderman, c'est pas un... Un... C'est... Qu'est-ce que je fais? Attends, hop, hop. Non. Alors, passe-moi au QWERTY petit. Non, il veut pas. Ah, ça va être, tiens, ça va être autre chose. Contrôle, contrôle. Ah, ok. Bien, bien, bien. Évidemment. On va le mettre comme ça. Anglais, clavier anglais. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, ça marche. Je sais pas, ça marchait pas avec le raccourci. 173, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment Half-Life. Là, c'est cool de vraiment pouvoir voir la fondation SCP qui est très, très influencée par tous les trucs. Oui, bah, y a un côté Ghostbusters, je veux pas mal là-dessus, mais surtout... X-Files, hein. Ça ferait un super truc avec la crise de l'énergie qui nous pend au nez cet hiver. Imaginez tous les monstres qui vont être libérés parce qu'on n'aura plus de grilles pour les contenir. Et c'est beau en plus, ouais, franchement. Rentrer dans la pièce 514. C'est exactement comme les locaux de Canard PC. Ça, c'est le bureau de Denis. Voilà. Le bureau d'Yvan, il est là. La porte est toujours ouverte parce qu'un bon patron doit être à l'écoute de ses employés. C'est exactement fait comme ça. Derrière la grille, il y a Manu. Il est tout au fond. Je sais pas si c'était le premier SCP-73, mais c'est le premier vraiment connu. Ouais. Ah, faut déplacer l'empreinte digitale. Ah, c'est comme sur mon téléphone. Ça marche jamais du premier coup. Oh là là. C'est trop bien, ça. L'intro est vraiment cool. Hein. Oui, ah oui, on sent que c'est un peu rigide. Ouais. D'accord, donc là on peut rentrer ses paramètres. Non, même pas. On s'appelle forcément Karl Aston. Ah bah écoute, pourquoi pas. Le fait d'avoir validé les termes d'accès, je trouve ça très bien. Oh là là, c'est très à la mode. Il y a un jeu que mes parents, c'est encore un proto, il va être présenté au festival de jeux vidéo indépendants de Strasbourg, là, qui est super bien, mais je crois qu'il n'a pas encore été montré publiquement, qui est un peu sur ce principe-là, un peu à la X-Files, et qui marche très bien aussi. Je verrai si je pourrais vous en faire un stream, parce qu'il est vraiment pas mal. Ah, et Louise a fait un papier là-dessus? Ah bah tiens, il faudrait que je regarde ça. Ok, on fait des formations. D'accord. Donc, ami. Comment se déroule la mission? Oh! On peut voir les gens qui discutent, ok. C'est le premier publié, 173, d'accord, ok. Je savais pas, tu vois. Ah oui. Oui, Karl écrit très vite. Bah, toi, il est sur du MIT. Hein. On apprend qu'à la fin, c'est un SCP, un mec a des tonnes de doigts. Tu sais. Oh là là. Cette caractérisation des personnages. Il y a tout... Le problème, c'est qu'il faut... Il y a cette bourrée de... Tu vois, par exemple, là, tout contact avec SCP-999, et ça doit sûrement être une blague qui fait beaucoup rire les gens qui connaissent tous les SCP par cœur, mais... Oui, c'est vrai qu'ils auraient dû commencer par SCP-1, bah oui, mais bon, on sait comment sont les gens. Hein. Ça me plairait pas à Gbou, c'est un truc qui commence pas par 1.
Oui, il me fait peur. Ok, Chuck, c'est le patron. Ok. La dernière fois, ça ne peut encore être modifié. Ok. Ok, je vais voir mon fichier aussi. Salut, Parisiatste, pardon. C'est un peu comme notre Slack, exactement. Sauf qu'en plus, il y a des mèmes bizarres. Ok. Ah, on va d'abord faire une formation d'intégration. Ok. Oh. Mais quel faillot! Mais salut cuillère! Pas ce que vous pensez, hein? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est un gros faillot, Karl. Un sac est vomi pour ce qui t'attend. Oh. Ce qui est rigolo, c'est quand même, je suis un tout nouveau, je vais avoir une petite formation avec un PowerPoint et tout, mais dans l'ascenseur qui m'a mené ici, je suis passé devant des monstres, quoi. Et, ah, le cours, ça vous inscrit, va être le point de commencer. Alors, premier cours. Bon, on va rejoindre la conférence. Ah oui, c'est vraiment une simulation d'employé de bureau. C'est la salle de réunion 1100A, secteur A. Salut Damien. Ah, il y a un CP pour tout. Il y en a tellement maintenant. Stanley Parable 3, un petit peu, ouais. Jason Carter is a death row inmate. J'aime bien le côté sériel, donc ça avec plein de petites histoires. He has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Quand on te propose de commuter ta peine de mort. On a commis ta peine de mort en 30 jours de travail, c'est mauvais signe en général, sur la nature du travail. Jason Carter is now D503. Oui, la traduction n'est pas trop mal, il y a 2-3 trucs bizarres, mais... c'est quoi la tragédie dont il a quoi? Ça c'est ma formation, ok. Ah oui, c'est un peu différent des formations aux zoos habituelles. Comme les locaux de Canard PC. J'aime beaucoup le shader un peu peinture là. C'est vraiment très classe. Oh, je vais me faire bouffer par un truc. Oui, c'est Half-Life 3, exactement. Hein. Je dirais à mes enfants que c'était Half-Life 3. On peut pas se baisser? Non, on peut pas. On peut courir. D-503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. On doit collecter des déchets. On peut conduire le camion? Oh là là. C'est grand gameplay. Ah mais attends, il y a des... C'est ça qui est magique dans le jeu vidéo, hein. C'est que t'es un employé de bureau, après tu deviens un éboueur, et c'est quand même cool. À aucun moment tu dis, bon, c'est pas un boulot terrible, quoi. En fait, c'est Borderlands. C'est vrai que ça fait le désert plus le style graphique, c'est très Borderlands. Ah, il y a des déchets, là.
On peut rouler dessus juste simplement. Attends, là j'ai des déchets. Collecter. Je serais bien la plus stable, mais ça n'est pas l'érosion du désert. Ok. D'accord. C'est vrai que le camion fait un peu à bruit de tondeuse. De l'essence, ça c'est Mad Max quoi. Ah, l'effet sur le sable est super cool. J'aime vraiment beaucoup l'effet du sable là. Quand on pousse le camion, il tient un bruit de moteur. Ah, ça marchait tout à l'heure. Regardez. Apparemment, on a un autre personnage là, Jael. C'est dans le cadre de ma formation, on me fait regarder ça. Oui, il va y avoir des vers des sables. Est-ce que les vers des sables seraient attirés par un camion, par exemple, parce que... Alors ça fait un bruit régulier, mais il n'y a pas de rythme. Un pneu. C'est pas très beau, Denis. Oh, voyons. Je l'ai connu plus enthousiaste. Regarde comme c'est joli le sable, là. C'est parce que t'es blasé du désert avec Mad Max. Allez, on va à l'incinérateur. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Oui, on dirait un peu le pneu rubber. Ouais. Le HUD est très... Oui, le HUD est dégueulasse. Après, les HUD, c'est tellement chiant à programmer. Jamais j'en voudrais à skinner. Jamais j'en voudrais à... Allez. La physique, par contre, là, il y a... Ouais. C'est un effet générique Unity. Hein, vous ne connaissez pas celui-là. Ah, très bien. SCP plus sur Scar serait très cool. Oh, d'ailleurs, Scar, toi, t'y étais, et le stream d'Arthuran, c'était quand? C'était lundi soir. Et c'était super bien. Hein. Il fait pas de stream où ça musicologie, c'était vraiment super intéressant. SCP protocol, man, oui, c'est vrai que brûler des pneus pour nettoyer la planète, c'est pas idéal. Examen mental du niveau 2. Fait glisser le fragment graphique gauche dans la zone carrée pour la remplir. Ah, mais je suis nul dans ces trucs-là. Ah si, c'est bon, il est facile, monsieur. Ok. C'est vraiment une suite de mini-jeux, mais... Ah, attends. Ah, mais il se cale pas tant que t'es pas au bon endroit. Attends. Ah, oh, mais c'est facile, du coup. C'est de la triche, même. Aurais-je envie de dire. Oh là là, il y a même un classement. Alors, je pense que c'est un vrai leaderboard. Ok. Ouais, une journée de travail. J'espère qu'on va pas faire les 30 jours, hein. Oh, j'ai droit à ma nourriture. Ah, là, ça me rappelle l'article de Julie sur la modélisation de la nourriture qui fait envie dans les jeux. Là, en l'occurrence, c'est pas trop ça. Là, je vais avoir un lit. Une vie bien remplie. This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering how can this job earn freedom for a death row. C'est pas très loin du bagage de Vermilion, en effet. Donc c'est SCP-7457, ok. Good afternoon, everyone.
I'm Dr. Raymond Hamm from Site 83. Mm-hmm. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D-503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Mm-hmm. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, oui, c'est vrai que non, ce sera pas très sympathique. Lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. Il faudrait faire des skins pour Zoom et tout ça qui font ce genre d'environnement. Pour que les réunions soient très inquiétantes. Les participants seraient présentés comme les, vous savez, les poupées de chiffon là dans Pathologique. Dr. Hamm, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, mm-hmm. artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Hamm. I'm Mark Harris, a research intern from Site-27. In the video, we saw D-503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. Anomalies, c'est un joli prénom, ouais. Anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it serait tellement bien. Ça avait plus prénom féminin, mais ta fille s'appelle Anomalie. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. Docteur Botanique. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Térébenthine, ouais. Mais c'est la fille de Dufault qui s'appelle Térébenthine, non? C'est parce qu'on voit vraiment qu'on est rodé, quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, j'ai peur. Mais faut pas y aller la nuit aussi. Quelle idée de collecter des déchets la nuit, quoi. Oui, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, le condamné doit se poser des questions, quoi. Allez. Ils auraient dû pousser un peu la motorisation sur le camion. On sent qu'il n'y a pas un gros budget à la Fondation SCP, hein. C'est quand tu te rapproches, t'as le gyrophare sur le camion qui s'allume. Allez, un bidon. Ok, il est juste dans le désert. Oh. Et si le désert était une métaphore? Ah, c'est trop bien fait, on voit les objets qui sont ajoutés à l'arrière du camion. Regardez-moi ça, ce sens du détail. Ah oui, ramasser plus de 100 kilos, c'est une bonne idée. Là, je sais pas si je vais pouvoir parce qu'apparemment il n'y a que 3 déchets sur le... dans tout le désert. Allez. Un climatiseur rouillé. Peut-être que le truc il pèse 50 ou non, 50 kilos, ça va. J'ai envie de dire comment il l'a monté dans le camion, non, je m'attendais à pire. C'est lourd, mais...
C'est un work simulator sur un agent SCP, Alpiro, exactement. Là, on est en train de regarder un documentaire sur un cas d'un SCP, un désert mystérieux où on envoyait, un condamné à mort récupérer des déchets. Fil électrique était possédé. Une bobine de câble noir, ok. Il y a quelque chose dedans. Ça s'appelle 100 kg plus 140 kg. Ouais, ça. Déplacer 140 kg tout seul, ouais, il faut avoir des bons bras. Hein. On a barré les bonnes. Exactement. Ah, la fameuse physique aussi. Qui elle aussi est possédée. Doucement, doucement. Wow, 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 wow. C'est le même ch'toum que Stubnautica. C'est toujours les mêmes sons dans les banques de sons. Pour le moment, c'est... Alors, l'ambiance est assez cool parce que vraiment, t'as n'importe... Enfin, notamment l'introduction était vraiment très bien. C'est vrai que je pense que j'ai brûlé un des disparus là. C'est très progressif dans l'histoire. Après qu'on a une boucle de gameplay aussi cool, je comprends qu'on veuille y aller progressivement. Allez hop, j'ai droit à quoi? Ah, c'est vrai qu'on a un examen d'état mental pour notre état mental. Image contenant un triangle. Celle-ci, 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 et c'est tout. Hein. Trois images dans le résultat des calculs est égal à 5. Là, là. 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 Non, pas là. Parce que c'est priorité opératoire. 125 divisé par 15. Pff. 15, ouais. C'est vraiment le capital super relou, ça. 125 divisé par 15. 10 fois 5. 10 fois 5, 50. 5 fois... 25, non, c'est pas ça. Mais c'est super galère. 80, celui-là, c'est bon. 15, 15, 8, 3, 7, 7, ça, c'est bon. Ça fait 5. Ça, ça fait quoi? Mais c'est super dur. Non, ben, voilà, moins 201, ça ne peut pas faire 5. Parce que c'est 2, c'est forcément 5 ou 0. Donc là, c'est pas bon. Et là, pareil, 4 et trucs, ça m'étonnerait que ça fasse 5. Bon, on va tenter ça. Non, j'en ai raté un. Merde. Qu'est-ce qui est égal à 5 là-dedans? Ah, 3 images. Ah, pardon. Bah, voilà, voilà, je fais du zèle. Ah, mais oui, ça fait 6. Je suis bête, vous avez raison. Oh là là. Et j'ai même pas eu mon burger, du coup. Tellement cruel. That night, D-503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D-503 is dreaming. Ça va faire peur. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night. Oui, c'est vrai que c'est pas assez décoré, Bellegarde du Nord. Franchement, pour un jeu qui a dû être fait avec un budget de 3 sandwichs et une chambre de bonne, c'est pas trop mal, hein, même s'il y a des trucs un peu pétés. Turning point, the start of SCP-7457's impact on D-503.
Are there any questions before we go on? Attends, pas un burger par jour. Hello, Dr. J'ai pas eu mon burger. Spencer Jones from the Special Operations Department of Site 21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D-503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations? Ça, franchement, c'est beaucoup de choses. Ça serait très bien de faire un jeu comme ça où on te présente des cas, où tu es diagnostiqué des patients en fonction de leur rêve. Produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here. Voilà, le désert est une métaphore. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D-503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the foundation is exaggerating? Après, si ça produit des déchets toutes les 8 minutes et qu'on en retire 3 par jour. Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Je pense qu'il y aura un gros twist à la fin. Je pense qu'il va y avoir un twist dans chaque histoire et un twist dans l'histoire générale du héros qui est un employé de bureau à la Fondation. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D-503. Oui, mais il avait déjà dit ça la dernière fois. On day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. Ah, va y avoir de la. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. D-503 found a radar that perfectly resembled his own. However, D-503 didn't seem to think much of it. Oui, vous aurez une interro à la fin du stream. En fait, le méchant, c'est un câble. Comme dans mon petit tiroir à bordel. Encore le câble noir. Mais il y a forcément un truc dans le câble, vu qu'à chaque fois ils nous disent que c'est trop serré, qu'on voit pas ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti pour l'incinérateur. C'est quand même... Enfin, tu travailles environ 10 minutes par jour, et le reste du temps, en comptant le chargement dans les camions, et le reste du temps, tu fais rien, quoi. C'est quand même un bon... quand même pas une mauvaise planque. Comme dans les cauchemars d'Agbou. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D-503. He still managed to complete his work on day 15. Oui, c'est possible, Charente. Mais moi, je trouve que visuellement, ça marche pas trop mal dans l'optique petit budget, tu vois. A sandstorm. Oh non. D-503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. Et oui, il a été dans le désert pendant trop longtemps. Ouais, faut suivre le fil. Quand t'es perdu, il faut toujours suivre le fil. Ah d'accord, non, peut-être pas.
Si, il y a une balise là-bas. Et bah t'as qu'à foutre des cartons de rouleaux de PQ pour les stocker. Ah, c'est pas bête. Oh, la musique. Ah, sinon, rien à voir. J'ai lancé Hades, parce que je ne l'ai jamais fait. J'accroche moyen. C'est-à-dire que c'est très très bien, je suis d'accord. Mais on m'avait tellement vendu le chef-d'œuvre absolu du roguelite que je trouve ça bien, mais sans plus. Voilà. Donc, un peu déçu. Mais je pense que c'est parce qu'on me l'a trop vendu. Ah, mais je dis pas que c'est pas bien, Narebogat. Mais en même temps, on m'a tellement dit, tu vas voir, c'est incroyable, c'est le meilleur jeu du monde. Je m'attendais vraiment à être... Et puis en fait, je suis vite retourné sur Isaac. Oh. Mais je me relancerai. Ah là, il y a quelqu'un. Ah, c'était la personne qui était là avant moi. Et donc, j'ai retrouvé le radar. Une cabine téléphonique. Voilà, allez, une lumière. C'est encore, on est encore dans le trope du phare. Alors il y a écrit lie ou die. C'est la victime de meurtre complètement nulle qui arrive dans la pièce qui fait qu'est-ce qu'il y a écrit au mur avec le sang. Ah, c'est. Genre, qu'est-ce qu'il a fait, Capdevielle d'ailleurs, à part. Quand t'es dans le désert. Il n'y a pas une œuvre très prolifique, hein. Ah, il peut être crié. Inspecter. Oh là là. Ah, mais il y a un trou dans le monsieur. Ah, mais il peut tirer du câble. Comme un gbou. Faut pas être... Ah non, c'est clair, faut pas être câblophone. Câblophone, pardon. Il a pété un câble, très bien Brice Pudding. Très très bien. Have you ever experienced a call from an unknown voice? Ah, une journée qui finit bien. Approximately 13 hours later. Visibly trembling D5. Je suis d'accord, c'est un peu lourd au chef de tour. Hein. We immediately performed a psychological evaluation. Oui, là, je pense que pour le coup, ça vaut le coup de me faire des multiplications pour vérifier si je suis. Oh non. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. Mais déjà, le mec, il est self-shaded, donc de base, ça partait mal, quoi. T'imagines, tu te lèves un matin, tu vois tes mains, il y a un contour noir autour. Comme les Belges, à cause de la ligne nucléaire, ils sont tous faits comme ça, on les reconnaît, ils ont un trait noir autour de là. Ah, c'est plus Doom 2003 que Doom 2016, je veux toi. Ouais, mais on a un camion. Oui, c'est vrai que c'était sécurisé un peu à l'arrache. Je pense que plutôt que d'en tirer des conclusions sur les SCP, ils devraient tirer des conclusions sur leur propre protocole de fonctionnement. Alors, après, vu la physique, j'aurais du mal à aller très loin avec ce camion. C'est un peu Big Rigs. Oui, on ressent tous à Tintin. Ouais, la musique, elle est un peu... La musique est un peu trop. Ouais. Attends, on va baisser ça. Voilà. Oui, c'est un filtre jaune mexicain à des films hollywoodiens en Mexique. Ah, mais c'est pas fini.
Ah bah justement, on est arrivé au Mexique. Ah bah là, ça va être trop faible, attendez. On monte le son. C'est comme les films qui sont mixés n'importe comment. On passe son temps avec la télécommande, on baisse le son dès qu'il y a une explosion, on monte dès que j'en parle. Oh là là, ils vont faire un petit twist métaphysique dans la narration, comme dans Twilight Zone. Après bon, Twilight Zone, c'est ce qui est mieux, donc. A grain of sand in this vast desert. Oh. Ah bah voilà, elle est là la cabine. Ah, c'est cool. Twilight Zone. Ah, les gens qui parlent pendant une explosion, c'est horrible. Faudrait faire un film comme ça, où deux personnes discutent comme ça à voix basse et tout explose autour d'eux sans arrêt pendant 1h30. Hauteur limite, ils sont quand même un petit peu... Il y en a quelques-uns qui sont bien. Même si c'est toujours un petit peu « Ah ah, tu as été bien attrapé !» Mais la plupart sont quand même pas foufou. Hein. Ah mais c'est le téléphone, le méchant, depuis le début. Franchement, un téléphone pieuvre comme ça, c'est assez cool comme créature. Ah oui. This is where D503's instincts led him. Il a fait Oshikita, Cap de Vieille, d'accord. Bah oui, on s'en doutait. On va être ramassé par le prochain, voilà. Ça fait très très Outer Limits ou Twilight Zone, comme enfin plus Outer Limits. Ça aurait tout à fait pu être un épisode qui finissait comme ça. Une cabine avec 6 téléphones, c'est pas terrible. C'est comme les... ça fait un peu toilette où t'as... Oh, j'étais dans un bar, il y a pas longtemps. Il y avait des toilettes, mais pas des urinoirs, hein, des toilettes. Deux toilettes face à face. Et là, avec une seule porte pour fermer, ça m'a mis très mal à l'aise. Je suis parti très vite. Comme le monsieur, je suis parti courir dans le désert. Ok. Bon. Des toilettes, exactement. Found the radar that had belonged to D-503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. Mm-hmm. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. Mm-hmm. The Foundation has tested 31 level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various... Oui, il y a des trucs qu'on ne sait pas trop comment ils le savent. Bah quoi que les hallucinations... Some will make you feel that living is worse than death. C'est exactement aussi l'entretien d'embauche que j'ai eu chez Canard PC. C'est mot pour mot ce que m'a dit Yvan. Just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. Salut, it doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Bonne ambiance. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Oui, on sent que c'est un meneur d'hommes, hein, le docteur Ham. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. J'aime bien, l'humour est quand même pas mal. C'est assez rigolo.
Mais alors, on peut mettre des commentaires. Oh, c'est tellement bien, ça c'est très drôle. La professeure était qualifiée, la connexion était fluide, la réunion était à l'heure, le cours était bien organisé. Tout ce que j'ai vu, c'était un chef de scout frayant à bleu. Chez vous, je ne respecte pas les règles, ils m'injecteront aux amnésies qui me renverront chez moi. Je n'ai pas d'avis. Effrayant à bleu. Allez hop, mettons ça. C'est très très drôle de voir. Tu te fais insulter par un mec qui dit que de toute façon tu mourras face à des dangers au-delà de ta compréhension. Et à la fin, tu dois mettre un nombre d'étoiles pour la qualité du corps. SCP contrôle, je ne l'ai pas fait, XTCast. Ami. Attends. Ah mais. Ah. Ah, contrôle, d'accord. Ah oui, oui, contrôle, oui, il paraît qu'il est très très bien. Je ne l'ai pas fait non plus, mais Julie m'en a dit énormément de bien. C'est elle qui l'avait testé. Ouf, les virgules, la ponctuation. De nos jours. On est à deux doigts d'une guerre nucléaire, on ne va pas s'embêter avec la ponctuation. Ah, je demande à la cafétéria à trouver quelque chose à manger. J'espère que ce n'est pas les mêmes burgers que dans le désert. Ah, c'est le bruit de porte standard numéro 47. Tiens, à propos de son dans les jeux, vous savez que le bruit des ascenseurs dans Duke Nukem, c'est le bruit des portes de Doom, mais ralenti 50%. Enfin, ralenti deux fois. Voilà. Alors. Non, j'ai pas envie de parler aux gens encore. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Ah, je vais avoir mon nouveau dossier. Tu plains les gens qui savaient, puis c'est pas faux. Ah, il se passait quelque chose, 74. Non, pour moi, je cherche plus de travail que d'habitude. Ok. Ah, voilà, il suffisait de manger. C'est la réponse à tous les problèmes dans la vie. Oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée. Le truc le plus angoissant du monde, il te retrouve à devoir faire caca devant quelqu'un dans un bar avec deux toilettes face à face, et la personne commence à te dire « Tu sais que le bruit des ascenseurs dans le Duke Nukem, c'est le bruit des portes de Doom ralenti deux fois. » Et là, tu grattes contre la porte. Ça ferait un très bon SCP. Ouais, tu vois, je ferais de mon mieux. Ah oui, c'est vrai, la fameuse Marie-Amélie de Men in Black. Ah, ma première mission. Je n'aurais pas exactement compris ce que je dois faire. On prend un peu de travail. Ok, bah, c'est ce qu'il m'a dit. Vérifier les archives et organiser en fonction des besoins. Oh, ouais, on commence avec du tri. Alors, mon dossier. Entrer les informations données dans le rapport d'enquête, dans le bon système. Méthode d'opération. Cliquez sur le texte souligné en rouge. Après avoir cliqué, l'effet de glissement de données sera activé. Faites-le glisser vers la zone des fichiers de droite. Donc là, cliquez sur le bouton gauche dans la zone des fichiers pour libérer les données et les laisser automatiquement télécharger. Alors, ok. I'm Agent Q from the Accident Investigation Department. Containment breach occurred at Pony Station and contact with the Foundation has been lost. Agent Bella Lawrence was given orders to enter Pony Station and retrieve the black box. Following is a transcript of the interview with Bella Lawrence. Ok. Ah, mais d'accord, c'est... Encore un jeu. Oh là là, c'est fou. Tout ce contenu.
un jeu dans un jeu. Bientôt, il y aura un jeu de... Oh là là, une boîte. D'accord. Ah, c'est juste pour montrer la boîte. Ok. Bella? Bella? The drugs seem to be taking effect. Go ahead and ask questions. I can't be certain how long she'll stay away from. Where's the black box, Sparrow? Sparrow est traduit par moineau. Ce qui est juste, hein, mais c'est rigolo, de moineau, ça fait pas très agressif, quoi. Sparrow, c'est quand même plus badass. You were tasked with investigating the situation at Site 74, Pony Station. You were assigned to retrieve the black box. Now, out with it. Where is the black box? La dame, elle a perdu la boîte. Je serais bien emmerdé si j'avais perdu la boîte. I brought it back. I brought the black box back. Don't lie. Jacques Moineau, voilà, tu vois. Ça marche pas du tout. No, that's impossible. I remember. Oui, c'est vrai que la station s'appelle Pony, ouais. Après, c'est une bonne couverture. T'attends pas à ce qu'il y ait des monstres horribles dans la Pony Station, quoi. All right, here now. This isn't an interrogation. Ça y ressemble quand même un peu, ouais. You're not here to lay blame or point any fingers. Les gens sont très rigides quand même. Pas la machine capture, ça coûte cher. Hein. Bella, I'm terribly sorry to have to bother you in such a state, but it is critical that we find that black box. We need to know what happened at Pony Station. My memory's a mess at the moment. That's fine. We'll take it slowly, step by step. Why don't we start from the moment you received your mission? Tell us what you remember. Oh, regardez, un flashback dans un flashback. That night. Et à la fin, on est dans la boîte. Currently heading to mission site, Site 74, Pony Station. We'll arrive in about 3 minutes. Very good, Sparrow. Pourquoi il l'appelle Moineau, c'est son nom? Ou alors c'est un nom de code? Je crois que c'est son nom de famille, moi. Parce que Moineau, c'est dur quand même. What is my mission? According to Foundation Security Regulation 709S, each site must have a black box placed in a secure area to assist. Ah d'accord, c'est littéralement une boîte noire. Ce serait très bien si les boîtes noires des avions, c'était ça. C'est vraiment une sorte de cube, un monolithe en obsidienne, tu vois. Et quand tu l'ouvres, t'as les âmes des passagers morts qui sortent. Donc c'est littéralement une boîte noire. Ok, bon, on va aller chercher la boîte noire. Je maintiens la touche mage enfoncée. Ne t'inquiète pas. I'm able to observe the mission site. Je ne lâche pas la touche mage. But it doesn't seem like one of the Foundation's secure facilities. Pony Station, officially known as Site 74, was originally a hydroelectric power station. After it was abandoned, the Foundation repurposed it as one of their sites. Non, les boîtes noires en vrai, elles sont oranges, le scarquillage. Désolé de te le dire. Moi aussi, quand j'ai appris ça, ça me fait... j'ai passé 3 jours comme ça. À regarder devant moi, je mangeais plus, je dormais plus. Mais elles sont oranges. Got it. I'll complete the task as instructed and pour être visible, exactement. C'est pour qu'on la trouve plus facilement. Et puis en plus, voilà, c'est, elles sont visibles. Et puis en plus, il y a des, enfin voilà, ça ressemble vraiment à une boîte, à un gros enregistreur, quoi. Alors que si c'est pas juste comme là, un bloc sans rien sur aucune face, tu vois. C'est un cube noir. Ah, ils nous ont laissé du matériel. Ah, mais c'est comme dans, c'est quoi, c'est des tests de grossesse? C'est comme dans, comment ça s'appelle, dans Phasmophobia, quand on choisit le matos. Un compteur de Kant. On va prendre un compteur de Kant. Il permet de mesurer le taux de hum, bien sûr. Et calcule en temps réel la vitesse à laquelle la réalité est déformée. Ah, il faudra vraiment que j'en ai un. Et ça, on en fait quoi? Pourquoi c'est coincé?
collectée. Une encre de réalité de Scranton. Elle stabilise le taux de hume. Elle réduit efficacement le risque de danger mental dans certaines zones. Et enfin, les agents... Quoi? Gamma? Gamma bloquant? Qu'est-ce qu'on fait de différenciation de réalité? Ces agents bloquants pour les trajectoires? Ok. Eh bien, allons-y, c'est parti. Et donc, on doit récupérer la cible de la mission qui est donc un cube noir. Allons-y. Donc là, j'ai mes objets... Et donc, ok. D'accord. Allons-y. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait courgette si la déformation de la réalité est elle-même irréelle? Retrieve the black box from the lab. Room 705. The elevator. 7th floor. Sparrow. Musk. What's that? Bald Eagle. You're cutting out. Damn. This is out of the safe range. I'll place a reality anchor. Oui, mais comment on fait? Changer de type. Ça marche pas. Je sais pas comment on change. F. Ah, j'ai une lampe torche. Ok. Attends, WS, ça marche pas. Ni ZS. Changer de MGS, ça marche pas. Ah bah super. Ah d'accord, il fallait juste la mettre là. Ok. C'est vrai que c'est un peu rigide quand même. Ah, on se sent bien ancré dans la réalité là. Comme quoi le disco est la solution à tous les problèmes. Ah, c'est un peu gros. Si jamais il y avait vraiment une déformation de la réalité, qu'on pouvait mettre des sortes de créer des sortes de points de sécurité comme ça. Oh, Denis, il vient déformer la réalité. Ce serait cool là que le fait que ce soit un peu scripté, c'est dommage. Regardez, c'est Denis. Il est derrière moi, ça fait très peur, Denis. C'est un peu comme un phénomène avec deux têtes. Qu'il faudrait enfermer dans une pièce. On est nous-mêmes un SCP. Qu'est-ce qu'il dit, Blob Marais? Dieu vomit, dit, c'est un ovni. Courgette dit, Denis, le SCP. Si vous avez le temps, sincèrement, regardez la vidéo de Alt 236, c'est juste fantastique. Oui, elle est très 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 bien. Fantastique. Fantastique, je pèse mes mots. Et alors, il pèse combien? De l'autre côté, je pense que ça fait bizarre. Tu sais qu'il pèse combien? Les mots? Ah, je pèse mes mots. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, c'est vendredi. Hein. Ouais. Bisous, les petits loulous. Regarde, je pousse les plantes. T'aurais pas dû pousser la plante. Je viens de punir par le lieu des plantes. Il disrupté les plantes. La disrupter la disruptance. C'est vrai que Denis ne cligne jamais des yeux. Est-ce que vous avez déjà vu Denis cligner des yeux? SCP-451 serait très drôle. Il ne trouve jamais le mot de passe en fait, c'est son super pouvoir. Ah, il y a un truc planqué dessous. La clé du 101. Journal de Tyler Cooper. Utiliser les chimpanzés pour cette expérience depuis le début. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne savait pas à quoi il faisait face. D'accord. Deuxième méthode d'étude. SCP-700. Mais du coup, si jamais tu connais bien les SCP, tu te spoil la mort. Parce que tu sais déjà ce que c'est que le 701. Oh, c'est joli. Enfin, c'est joli. Voilà, ce gameplay. Mais...
Ils sont traduits les SCP. Il y a une branche française de la Fondation qui traduit, ouais. C'est pas moche. Franchement, non, c'est pas moche. Pour un jeu qui doit être fait avec un budget assez réduit. Donc, visiblement, il y a quand même pas mal de contenu. Ce qui est assez étonnant, justement, par rapport aux jeux SCP traditionnels qui sont généralement des one-shot, quoi. Lui, il repose sur un gimmick, qui est le gimmick du SCP en question, et voilà, et c'est le jeu s'arrête là, quoi. Oh, des souris. Il y a quelqu'un. Il y a un truc. Oh, ça a disparu. Ça fait peur. C'est une sorte de X-Files, ouais, plus ou moins, mais collaboratif. C'est-à-dire que les gens co-écrivent des dossiers... Ah, il y en a plein encore, là. Quoi, ces machins, hein. Ah, c'est des sortes de crash tests de mise... Ah, mais ça me dit quelque chose, un SCP avec des crash tests de mise, justement. Ah, bah, des gens parlaient de contrôle dans le chat, justement. Ils disaient qu'il y avait vraiment l'ambiance très inspirée par les SCP, ouais. Une carte d'accès. Ah, ça c'est bien. C'est là qu'on voit tout le progrès qui a été fait dans les... Oula. C'est vrai que les crash tests de mise en bois, c'est pour les voitures du luxe. Oh non, encore le petit... L'effet bizarre. Danger cognitif. Allez, on va s'injecter un petit truc. Et voilà. Voilà, hop. Une petite seringue contre les dangers feux cognitifs et il n'y paraîtra plus. D'accord. Par cette transition. This wasn't anything like that. I couldn't breathe. It was like there was a knot tied around my throat. I was weightless, hanging, gasping. No matter how much I struggled, nothing helped. Mm-hmm. That does sound terrifying. Mais elle a fait une crise d'angoisse, quoi. Perhaps it was just a nightmare, though. Salut, mon petit corps. No. We wake up from nightmares. SCP-701, c'est ça, c'est les crash tests de mise, là. J'ai bien la fille qui dit oui, je suis un agent super entraîné aux dangers cognitifs, etc. Et elle fait une crise d'angoisse, elle a ah mon dieu, je ne sais pas ce que c'était. Alors allez, on va au niveau 7. Évidemment. Oui, c'est les grands progrès du jeu vidéo. Il y a eu une sorte de cassure que personne n'a remarqué dans l'histoire du jeu vidéo. Au moment où on est passé du stade où les ascenseurs ne montaient que d'un étage à la fois, à la possibilité de monter à n'importe quel étage. Et là, on s'est dit ok, on a... Oh. Non, la réalité est cassée à nouveau. Ça, c'est une super bonne idée d'avoir les encres de réalité, mais c'est con que ce soit scripté, en fait. Si vraiment t'avais une sorte de monde qui se déforme, des phénomènes bizarres, et que tu pouvais te créer des zones de stabilité, en fait, ce serait super en termes de gameplay. Mais là, le fait que ce soit obligatoire quand t'arrives à un endroit, c'est con, quoi. Très dommage. T'as vu le skill, Belgar ? En fait, c'est surtout... En fait, ce qui m'est venu, c'est, ça vient d'un test de joystick, vraiment, hein. D'un jeu qui s'appelait Operation Body Count, qui était un clone de Doom sorti à l'époque, qui utilisait le moteur de Wolfenstein 3D. Et il disait que ça se passait dans les locaux de l'ONU, et ils ont demandé pourquoi dans les locaux de l'ONU, les ascenseurs ne montaient que d'un niveau à la fois. Et ça m'a hanté depuis, quoi. Oh. What the... Oh mon dieu, c'était quoi? Oui, ça c'est les pires ascenseurs, ceux-là, Oscar. Encore un. Les chaînes du destin s'enroulent tel un serpent venimeux. Oh, comme les câbles des cabines téléphoniques. Ce n'est pas seulement à moi qu'elles en veulent, c'est à vous aussi. La malédiction de la mort est toujours une cause de panique. On parlait de la traduction tout à l'heure. Petruccio me laisse fouiner hors de ma vue, les morts ne parlent pas. Petruccio tendit le nœud et étrangla le cou de Sortino. Oh, il s'est plié.
Sale bête. J'ai peur des chiottes dans les jeux vidéo depuis Doom 3. Il y avait des scènes traumatisantes dans les chiottes. Notamment quand on se regardait dans le miroir. Oh, il y a quelque chose derrière la porte. Ah d'accord, c'est... Franchement, c'est pas moche. Qui a fait ce jeu ? Je regarde. Ouh, ils sont perspicaces, ces agents de SCP. Est-ce que ça vaut encore le coup de jouer à Doom 3 aujourd'hui ? Bouf. C'est pas un mauvais jeu, hein, mais les jeux d'horreur ont fait tellement mieux depuis... enfin, ou de... Dead Space est mille fois mieux, quoi. Oui, et ça, les jeux avec les chiottes qui se font face, c'est terrible. Mais ça faisait très, oui, narration environnementale, hein. Le fait d'avoir les deux toilettes qui se regardaient face à face. C'est vraiment genre le truc, tu vois ça dans un jeu vidéo, tu dis, tiens, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Ah, bah voilà. Ils ont regardé avec son fuseau d'opéra aux heures d'expérimentation. Où ils ont injecté les amnésiques de classe A, elle a été envoyée du site. Remplir ce rôle, la demande de Dr. Cooper lui-même, la direction du site a décidé de vous promouvoir au poste d'assistance. Ça, c'est encore pire. Il y a des mauvais signes. Merci, Papa Pichou. Quand tu prends un boulot et que tu apprends que la personne avant est partie pour burn-out, c'est généralement mauvais signe. Mais quand tu prends un boulot et que tu apprends que la personne avant, on lui a injecté des amnésiques de classe A, c'est quand même très très mauvais signe. Ah bah tiens, lui aussi, il est en train de dire. C'est la confession de la reine, après une reine dans le couvent. Ok, acte 2. Ouais, ben ça fait peur une fois. Ça grince beaucoup. Hein. 19 décembre local, incident. Ah, ça c'est typique des SCP, ça, les trucs rédactés comme ça, oui. Les SCP, c'est juste des mannequins en bois, la 701, c'est ça? C'est des mannequins en bois qui pop. C'est en place d'un auditorium pendant dans lequel les participants ont tous été. Ok, un risque sauvage pendant tous les spectateurs. Ah, d'accord, donc c'était à cause de probablement de la pièce de théâtre dont on a des extraits là. Il faut une poignée ronde. Ouais, c'est ça, c'est une pièce qui a rendu les gens fous, quoi. C'est le. Oh, le roi en jaune. Oh, il a l'air tout penaud. Ah mais il faut que les portes grincent. C'est comme un ordinateur, quand tu allumes, il faut qu'il fasse un bruit, sinon tu sais pas s'il a démarré ou pas. C'est tout très unusual ces jours. Beaucoup de gens sont venus à la site, mais ils n'ont pas registré avec les autorités. J'ai entendu que Cooper et son équipe ont rehearsé la stratégie de la poignée ronde. Et que tous les participants sont obligés de recorder leur statut quotidien. Mon expériment doit être mis en hold, parce qu'il n'y a personne qui travaille sur ça. Ce n'est pas vrai. Oui, le roi en jaune, c'est pas terrible. The Hound King Tragedy. Oui, c'est clairement une référence au roi en jaune. Le fait qu'il y ait le mot King dans le nom de la pièce. C'est bien, mais c'est... Oui, d'accord, c'est pas pratique, le refaire. Oh, c'est pas le meilleur QTE du monde. Ah oui, c'est vrai que les mannequins, c'est facile à faire. Hein. Ah mais attends, il y a un truc là. On va pas grimper. Le roi du jaune. Mais d'accord, il y avait... Ah bah super. Ah, c'est puzzle. Là, c'est bon. Ouais. Bon, je suis pas tout à fait en face, mais ça va passer. Ça passe.
choses à collecter. Comment c'est arrivé là, je ne sais pas. Réception de quelques documents sur le SCP-701, ces derniers ont massivement circulé. Le nombre de volontaires intéressés a soudainement augmenté. Je peux trouver la raison, mais c'est évidemment un bon présage. J'ai maintenant réussi à mobiliser tout le monde. Je peux faire mes preuves et profiter de cette opportunité. Oh, il a transformé les gens en mannequins. C'est vrai qu'il pourrait tout à fait y avoir un xénomorphe. Ah, les rats sont bien faits, la façon dont ils marchent. Ah, on me tape dessus. C'est un truc qui est assez typique, ça, dans les... J'aime beaucoup les personnages qui disent des choses évidentes, genre. Un escalier, ça va me permettre d'accéder aux étages supérieurs. Ah bah non, même pas, tu vois. Si, peut-être en passant par là. Non, on peut pas. On peut pas sauter. Quelle arnaque, on peut pas sauter dans l'escalier. Sans doute parce que c'est contraire au protocole de sécurité de la Fondation SCP. Donc on va devoir aller par là. Non, on peut pas non plus. Bon, faut descendre alors. Ah, mais c'est le 7ème bas. C'est le sub-level 7, d'accord. Est-ce que je peux virer le flot de mouvement? Probablement, ouais. On peut pas mettre moins, mais on peut mettre faible, ouais. Oui, mes mouvements ne sont plus du tout flous. 6. Si on n'est pas ce qui arrive au niveau 7. 4. Oh, oh non, ça c'est kitsch. Ça c'est super kitsch. Je sais pas, moi. Je comprends rien. Je crois que c'est Unity. SCP-87B, c'est quoi? C'est une histoire d'escalier, comme ça? Je pense que c'est du sarcasme, Oscar. Après, j'ai jamais vu True Detective. D'accord, ok. Ah, mais ils ont mis des SCP dans nos SCP. Mais ça, le problème, c'est que je pense que comme je connais pas super bien tous les SCP... Attends, je vais voir où je vais, si je descends encore, je repasse au 4. Je passe à côté de plein de petites références où tous les fans de SCP vont faire « Ah ouais !» Moi, je suis là. Ok, donc... Donc attends, faut faire quoi? 5, peut-être quoi faut mettre? Comment on peut faire? Ok, on va le laisser là où ça fait ding. C'est Unreal, Denis? Ah, je croyais que c'était l'Unity. Ah. Oh. Ok, j'ai pas trop compris l'idée, mais... Et la réalité part en sucette. Oh, tu es fort, Denis. Une clé, mais c'est pas grave, j'ai une pince coupante. Ah bah super, il y a des gens pendus. Voice.
Ah, c'est ce qu'elle a vu le texte de la pièce, qu'elle est pas bien. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'elle fait bouillir des pommes de terre, mon petit corps. Je trouve qu'elle va se réveiller, elle serait en train de bouffer dans sa cuisine. Ah, mais c'est pour ça qu'elle parle de cordes aujourd'hui, coup, c'est que le roi a été pendu dans la pièce. Oh, c'est, après, c'est, oui, c'est du, ça fait du Twilight, c'est pas Twilight Zone, ça fait du hauteur limite, c'est un peu du vomi, ouais. Mais les SCP, c'est souvent ça, hein. C'est-à-dire que, ouais, c'est pas super bien écrit, mais ça marche, que c'est, faut le prendre pour ce que c'est, quoi. Vous êtes complètement safe ici. Rien ne peut vous blesser. Ok, let's continue. The situation there. Et puis, par contre, si tu parles des SCP eux-mêmes, oui, il y en a plein qui sont extrêmement mal écrits, ouais. Mais t'en as 1% de vraiment très bien, t'en as 5-6% qui sont pas mal, et le reste c'est nul. Ah, le moineau, bien sûr. Pourquoi ils ont pas trop dit Bald Eagle, du coup, c'est vrai? La situation ici est beaucoup pire que j'espère. J'ai besoin de backup. Bella, es-tu sûre que c'est vraiment ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, bien sûr, je suis sûre. Come on, Bella. Try and focus. What are you talking about? Ah, mais c'est encore la voix. Bella, you never made that phone call. Mm-hmm. La cabine était dans le coup. Pas forcément XTcast, parce que t'as des... Ceux qui sont vraiment bons, ils sont référencés, ils sont dans les plus lus quand tu vas sur le site, etc. Donc du coup, tu les... Non, il n'y avait pas de cabine. Ah, ça, c'est un peu nul. Oh non, je vais me faire poursuivre par un truc. Là, il est très lent. Faut pas aller par là. Non, alors faut aller par là. Avec mon coup de boulon, je vais y arriver. Ah, déjà. C'est pas qu'à tirer rapide. Ah, quand même, il faut aller mieux courir. Ah, voilà, un très bon conseil. À fond. Il peut fermer la porte derrière. Il me rappelle pas par ici. Ah mais il court super vite en fait. Comment est-ce que je peux ne pas... Mais il court 10 fois plus vite que moi. C'est pas grave, Belkan, tu pourras toujours regarder Eric. Attends, montre si je lui fonce dessus. C'est vrai qu'il court en plus. Mais moi, c'est que je cours d'ailleurs, je cours tellement, il y a une cône en bas. Là, vous l'avez, si vous la voyez à côté de ma tête. Et si je me plombe derrière lui? Non, ça marche pas. Mais comment je peux lui échapper? Il est ultra rapide. Ah, il y a tout que j'ai pas dû comprendre. Là. D'accord, là c'est bon, je passe. Oh, le cutie au pourri. Vite, vite, la porte va se fermer. Ouais, c'est un peu pété, quand même. Oh, oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ta grosse voix? C'est bien frustrant, hein. Ok. Attention, risco biologico. D'un coup, c'est plus chantant en espagnol. Le bruit qui fait peur, ouais. Enfin, il fait peur la première fois. Après, c'est plus... Ah, les mannequins refont les pièces de théâtre. Électricité requise. Alors, est-ce qu'il y a de l'électricité qui traîne par terre? Ah, bah voilà. Ah.
Il est mieux qu'il y ait le courant quand même. Tout le monde personnel de Pony Station. C'est vrai que ce nom ne va pas du tout. Hein. Les recherches sur la CP-701 commenceront officiellement demain. Afin d'éviter la dissémination d'informations classifiées, tous les équipements de vidéosurveillance ont été retirés. Ah bah évidemment, c'est bien pratique ça. Et toutes les transmissions de signaux externes ont été bloquées en conséquence. C'est pour l'objet de procédures de gestion en circuit fermé. Ok, ouais. Ah. Les archives au quatrième étage pour remplir les documents nécessaires. Bon. Ah. Et bah c'est encore le club de théâtre, voilà, les répétitions. Oui, c'est le roi en jaune version X-Files, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai été attaqué par une momie, mais... Merci Samax pour ton abo. Il y a un seul mannequin. Ah bah il y a plus de mannequin du tout maintenant chez Tipeee. Oh, tape à la porte. Non. Là, il y a des références à l'histoire précédente et tout. Tout va faire à la fin une incroyable trame. Espérons. S'ils arrivent à relier intelligemment les différentes enquêtes, ça peut être bien. Alors attends. Si je repars dans l'autre sens, on peut pas. Si on peut. Oh mais après, il y a l'autre monstre là qui est derrière. Ici, il y a quoi? Police line. Mais comment la police a pu venir ici? C'est absurde. Oh. C'est quoi ces trucs? Il y avait un autre truc qui a pas dû être contenu. La musique fait très très alien. Oh, merci. Oh non, la réalité, j'ai presque plus d'encre. Ah mais depuis tout à l'heure, elle dit que des platitudes, pour chocolatine, que des platitudes. C'est... C'est vrai, c'est une bonne question, madame. C'est quoi ça? Script pour la répétition, oui, encore la pièce, ok. Non, c'est pas un badge dont j'aurais besoin, non. On peut les pousser? Ah mais ils tombent quand j'approche. Très bizarre. Ah mais il y a une isolation, c'est super bien. On voit la porte, voilà, qu'est-ce qu'on... Oh, c'est... Ah bah voilà, la fameuse pièce. Ah d'accord, ils ont joué la pièce dans les locaux, et c'est là que c'est parti en couille. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire venir les gens. Il a réuni tous les employés là pour jouer la pièce, et ça en a fait des mannequins. Enfin, je suppose. Oui, ça c'est vrai, t'as la paupiette, ouais. Le problème, c'est que t'es obligé que... Enfin, si t'avais un personnage qui était complètement silencieux... J'ai la boîte noire. La boîte noire, c'est une vraie boîte noire. On dirait un pouf design qui est vendu 400 balles chez Habitat. Oh, on sait, on est au niveau 8, là. On arrête plus de descendre, on est fou. Non, oh, pauvre mannequin, il s'est tué en tombant. Non, pas de coup, t'es Bratislava Boy, tu vois. T'es mauvaise langue. Si bien c'est beau, le personnage devient très lent parce que c'est un scripté, le déplacement. Eh ben, une bien belle aventure. Moi, je prendrais pas l'ascenseur. Et ça, Canlust, qui a, il a fait de la sécurité incendie, vous savez, il est très sérieux là-dessus. Il vous dirait, dans un bâtiment comme ça où il y a eu un accident, ne prenez pas l'ascenseur.
faudrait vraiment que Scan fasse un stream où il jouerait par exemple à Left 4 Dead en disant voilà ça faut pas le faire en termes de sécurité, etc. Bella, we really need you to tell us the truth here. What do you mean? I'm telling you the truth. I completed my task. I retrieved the black box from Pony Station. Looks like the cognito hazards really did a number on her. What are you talking about? Embrouiller la caboche. I'm fine. Bella, there was no black box in sight when we found you. That's impossible. I'm positive. I know I had it in the escape elevator. And there is no escape elevator in Pony Station. None of what you're saying adds up. But that's impossible. It's just impossible. Look at me, Bella. Try and focus. What really happened? What? Ouais, ça va faire très peur. Ou alors on va s'apercevoir qu'elle faisait vraiment bouillir des patates chez elle depuis le début et qu'elle a jamais rien fait. Bella. Ce qui serait un twist assez incroyable, mais les auteurs sont pas prêts à faire des choses pareilles. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça, c'est assez cool la narration comme ça avec le narrateur qui pense avoir vraiment vécu un truc en fait qu'il n'a pas vraiment vécu. Oh, il y avait le roi. C'est le roi pendu. Je peux même pas m'asseoir pour regarder la pièce. À voir que ses jambes sous le drap sont en bois. Ah, très bonne idée, GTPix. C'est possible, en effet. J'y avais pas pensé. Ah bah tiens. On est devenu un mannequin. Oh. Ah d'accord, ils l'ont vraiment pendu, en fait. C'est assez cool, franchement. C'est bateau comme truc d'horreur et tout, mais les histoires sont bien. Il va y avoir là derrière. Oh non, encore, non, encore, c'est chiant ça. Qui vient là-bas, c'est un trou dans tout le plus. Ah, je suis parti du mauvais côté, je crois. Non, c'est bon, ça passe. Ok, donc je suis parti au niveau 8. J'aime bien la façon dont il tombe quand on approche. C'est très très cool. Il y a de bonnes idées visuelles quand même. Oh. En fait, c'est un barrage ou une station hydraulique, c'est pas une base secrète quoi. Oh, tous les mannequins pendus. Il y a un achievement qu'on achève tous les mannequins, peut-être. Oh. Et les pages qui tombent. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait déjà des pages qui flottaient quand on est arrivé. Ah, mais c'est pas les mannequins, c'est les gens. Oh. Ah oui, c'est à toi de te prendre maintenant. Oh, oh là là. Ça explique pas pourquoi il y a des mannequins, cela dit. Tu es très médisant, Dieu vomi. Non. Alors ça, c'est le truc, ça marche bien. Au bout d'un moment, c'est quand t'as trop de ruptures comme ça, où tu sais plus où t'es et tout, ça commence à faire beaucoup. Non, il va le tuer. Ah oui, forcément. That was
going on? It's the goddamn cognito hazard again. I need to leave right now. Je pense qu'on va parler de danger cognitif. Ah, je suis enfin devenu un bonhomme au cédar, comme je rêve de l'être depuis que j'ai vu la pub à l'âge de 5 ans. Ah, les animations saccadées comme ça pour les mannequins, c'est cool. Il faut juste garder appuyé, c'est nul comme QTE. Ce qui est mettre la barre très bas, tu sais. Avec un QTE à la base, c'est rarement... Ça donne envie de lire le QTE le SCP qui correspond. Et bah c'était ça la galette des rois de Levallois qui a été annulée. Tiens, boum. Là, les animations comme ça, c'est... Et visuellement, c'est assez cool. Hein. Il y a quand même il y a beaucoup de bonnes idées. Pas forcément que ça reste un truc ultra maîtrisé, mais il y a des idées. C'est quand même rigolote. Même si c'est pas des... C'est pas incroyable. Mais pour un jeu SCP, c'est pas trop cheap, ça va. Je sais pas si c'est une bonne idée de taper un mannequin. Dans tout le camp ici, c'est trop dangereux. Oui. Oui, il faut partir d'ici, en effet, oui. Il y a un vrai problème. Alors, depuis qu'Angle Droit a fait Nadine de Rothschild, je suis écuré, je... Elle m'a gâché, Nadine. Trop, je rigole. Par contre, je trouve le bouquin de Nadine de Rothschild sur les relations amoureuses, là, il est très très bien, mais je n'ai pas pu trouver. J'ai pas vraiment cherché. Oh. Ah, ben voilà, je suis enfin reconnu comme le roi que je suis. Beaucoup de chichis, tout ça pour ce tour, moi. Elle va se suicider. Enfin, si on peut dire. Ah non, elle va couper la corde du roi. With my blood, I serve my king. With my blood, I serve my king. Il y a forcément un bouquin de Nadine de Rothschild sur les bouquins de Nadine de Rothschild. With my blood, I serve my king. With my blood, I serve my king. With my blood. I serve my king. With my blood, I serve my king. Ok. Donc ça y est, tout ça pour ça? Ok. Donc non, elle n'est pas devenue un bonhomme en bois. I've just injected her with a sedative. You need to let her rest for a while. Thanks, Doctor. Well, let's go then. What? We haven't found the black box yet. You still don't get it, do you? Get what? What do you mean? Elle était un bonhomme en bois dans sa tête, exactement. Et si les bonhommes en bois, finalement, c'était les amis qu'on s'est fait sur le chemin? Isn't always a black box. You mean... That's right. She is now the black box. Oh. Got time for a cold one? Because our work here is done. C'est le petit bonhomme en bois Origins. Le bonheur de séduire à l'art de réussir. Non, non, celui-là, c'est celui que j'ai lu. Ça, c'est son guide de bonne pratique. Ah non, le modèle 3D était un peu pourri, on dirait presque qu'elle est en bois déjà. Serve my king with my blood. Blissful suffocation. Sacrifice. Mm-hmm. Okay. The black box has been properly contained at site 105 and pending further investigation. Above is the full record of the inquiry. D'accord. Donc attends. Celui-là on l'avait, hein. Une tradition 5 actes d'époque caroline, plus en récit de vengeance, gna gna. Pour mon psychologue chez les spectateurs comme chez les acteurs, ainsi qu'une question d'une étrange chiouette dénommée SCP-707-1. 701-1, ok. Notre 300 dernières années, étude du cas typique qui a eu lieu le 27 mai 2009.
C'est donc la boîte noire, la seule instrument fiable de recherche. Ok, donc du coup. Ah d'accord, tu crées ta page SCP comme elle apparaîtrait sur le... Ah et donc c'est vraiment le... Je suppose que c'est vraiment le texte du SCP tel qu'il apparaît sur le site. Ah c'est cool ça. Ok. D'accord, donc je vais envoyer. Aucune tâche, ok. Oh, c'est pas profond, Courgette. Hein. Et oui, c'est vrai que c'est, y a un peu trop de fluff, en fait. Bien. Il n'y a pas d'alternative. Hein. Ah, voilà, gros stuff. Steward, il pense qu'à bouffer, lui. J'ai une petite fête. J'avais... Ah là là. Un expresso. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dossier aujourd'hui? L'objet est une urne en céramique SCP 660. Céramique forme irrégulière, mesure environ 23 cm de haut, 28 de diamètre. Face à un organisme, un ventre de terre. Ok. Coffre verrouillé. Ouverture de l'objet doit être couverte par un disque de plexiglas scellé par des bandes adhésives. Ok. Morceau de peau récupéré sur la germanique à la D612, le donneur est en parfaite santé. Selon l'étrange du tissu, fait laisser dans SCP 660 pendant 2 mois. Ok, donc la viande que tu laisses dedans, elle prend les prédispositions au cancer. D'accord. Ok. Alors attends, du coup, les classes, comment on fait ça? Description. C'est un lion en céramique, ça c'est bon. Et ensuite, classe sur. Et voilà, un rapport terminé. Ah, des arbres. Attends, c'est pas le truc qu'on avait au... Qui était justement dans le qu'on avait vu, là, dans l'espèce de serre souterraine. Oui, pareil, je voyais... C'est bizarre, mais je dis que les gens SCP fassent des fêtes. Très curieux, ouais. Place, le bourgeon... Ce sont 300 spécimens d'un type d'art unique. Pas de fruits, rapport de test.
Température. Ok, alors attends. En fait, c'est débile, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a, a rien à faire, en fait. Il les met directement au bon endroit. Et addendum, donc ça, c'est celui-là. Hein. Et on va mettre ça. Bon, en gros, on trie tous les dossiers qu'il y avait dans le... dans le site qui a été compromis, là. Il y aura probablement l'escalier aussi. Alors, ça, c'était quoi? Un grand distributeur automatique sans vitre frontale comportant un petit clavier sur le côté droit. Ah oui, c'est le fameux distributeur magique. Oui, ça, j'ai envie de dire quelque chose, celui-là. Ça, il donne objet au hasard, c'est ça? Quand on tape un code dessus. Ok, donc. Lui, il est sûr. Ok. Non, ça, on l'avait déjà fait. Envoyé. J'ai rien à faire. Ouais, c'est des, je pense que c'est des vrais articles tirés du site, ouais. Ah, la conférence mensuelle. Ça marche pas forcément très bien, l'imbrication avec ça, là, avec le côté vie sociale d'employé de la SCP. Le fait que ce soit vraiment une sorte de quasiment de jeu de walking simulator d'horreur un peu classique dans les scènes de d'horreur. Oui, ça, ça fait plaisir de voir ce jeu pour les fans, mais sinon... oui, j'ai envie de voir ça. Oui, un cours à regarder. Un truc sur l'amnésie. Ah, oh, c'est vrai que j'avais celle-là que j'avais pas vue aussi. C'était celle-là, hein, Daniel Trevor. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est vraiment fait. Je pense que c'est vraiment fait par et pour des fans des SCP. Ouais. Tiens, pourquoi j'ai le truc activé Windows qui est activé? Ah ben bravo, c'est le truc de Monsieur Chat. Oh, il n'a pas activé Windows sur ce poste. Oh, il va aller en enfer. Il va se faire injecter les vaccins expérimentaux de Bill Gates. Oui, oui, ça, c'est vraiment un truc avec tous les... c'est de la fanfiction, du fanservice complet, mais ça marche, quoi. Some are hidden in dust and known only by a handful of people. Ouais. Today I'm going to tell you a story no one else has heard before. A real story of mystery. C'est qu'en fait, il a réformaté tous les PC de la régie Chat pour la nouvelle image, enfin le nouveau scène là, et du coup, je pense qu'il a pas tout activé par. In a world of long ago, the hero of our story is a little boy. His name is Daniel. Oui, c'est vrai que c'est un peu le problème. Surtout que les SCP, ça marche beaucoup sur le côté, ça t'en dit très peu. Le fait que, par exemple, il y ait des gros... beaucoup de trucs soient censurés dans les documents, etc. On a vraiment l'impression que ça laisse beaucoup de place à l'imagination, en fait, avec beaucoup de blanc. Là, du coup, forcément, comme tu dis, il y a le défaut un peu des adaptations en film de livre. Mrs. Page, the principal, had him isolate in an attic. And so, in the attic he lived, all on his own. Mais par contre, c'est bien parce qu'ils ont des formats vraiment très très différents, quoi. Daniel, while up here in this attic, you'll have plenty of time to practice. Oui, c'est vrai que c'est une adaptation. Hein. Oui, la fonte est pas terrible. I hope you practice well and prepare for next month's art festival.
But Mrs. Page, the melody is so difficult. Don't give up, boy. You don't give up before you fight. Okay. Daniel was reluctant at first, but he trusted Mrs. Page, and he knew he should listen. And oh, c'est Manu. Practice the penny whistle. C'est comme ça que Manu a commencé. Ah non, faut que je joue du... Ah mais voilà, c'est... On retrouve l'ambiance... Attends. Il est bizarre, leur truc. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, ça a marché, je comprends pas. Pourquoi les autres qui marchent pas? Pourquoi Space il marche et pas les autres? Suddenly, he heard some strange noises in the corner of the attic. Huh? Who's there? Daniel decided to go over and take a look. C'est Flûte Champ. Flûte Champ, franchement, il ferait une extension avec une petite flûte avec pourri. Ce serait... Mais je pense que c'est une question de timing, parce qu'avec le Space, ça marchait. Ah, mais d'accord, on se déplace. Ah ouais. Ils font plaisir, quand même, en termes de variété dans les environnements et tout ça. Ah, la DA est cool, là. Et puis le fait que d'un coup, on se dise, ok, ça va être un truc très narratif... Et là, d'un coup, ça devient une scène en 3D. Alors qu'on pensait que ça allait juste être des machins à faire avancer, comme ça, avec des QTE. C'est très très cool. It was a mouse trap, and there was a red origami paper dragon inside of it. Très très joli, en effet. Daniel carefully removed it. It was marvelous and beautiful. The only problem was part of its wing was damaged. But Daniel found a way to repair it. Alors, comment on peut réparer le dragon de papier? Avec quoi on va le réparer? Avec ça? Non, ça? Voilà. Daniel oh, held c'est the mignon. Repaired paper dragon high. High up in the air, imagining that it soared over all the world below. He played and played with the paper dragon. Whee! Woo! Dragon! Soar! In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Oh, petit Daniel, il va s'endormir et quand il va se réveiller, il sera dévoré par le roi. C'est vraiment le biopic de Manu, il est complètement. The next day, with boredom and loneliness weighing him down, he began to fiddle with the old radio. Where earthquakes are not particularly common. Although there are 17 fault zones around us, they are all inactive. A scrunched up ball of paper rolled over to his feet. Where did this paper ball come from? Just as Daniel went to pick it up, the ball suddenly came to life, and it rolled away. Daniel chased after it. Oh, c'est trop mignon. On dirait pas un jeu d'horreur. Hein. Je sais pas comment ça... À un moment, ça va partir en couille, mais je sais pas encore quand. Il peut pas courir en plus, là. Il a été moins bien entraîné que... la jambe de la dernière fois. Just as he was about to seize the non, c'est toujours le même jeu de Coda. Suddenly, terrible sparks erupted from it.
Ah oui, il y allait avoir un problème. Before his very eyes, the paper ball began to grow bigger and bigger. At that moment, a red figure suddenly appeared. The red figure quickly subdued the paper ball and threw it into a cardboard box. Daniel studied the red figure carefully. It had a sticker on its fluttering wing. It was the paper dragon. I wasn't dreaming. Thank you for saving me. Daniel was grateful and very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon seemed timid and afraid and backed away. Just then, Daniel had an idea. Paper Dragon Age. He took out his penny whistle and slowly played a tune. Attends, si tire ça vient. Merde. Ça va, là c'est bon. Faut appuyer vraiment pile au bon moment quoi. Ça correspond pas exactement au moment où ça touche. C'est ça qu'il faut prendre le coup. Ouais, là. Ouais, là, j'ai fait trop tôt. Tu rates le dragon d'abord. Ah. It began to move along with the rhythm, flipping up and down in the air. C'est un jeu sur Malware, mais tout le monde se pose la question en fait. Mais oui, c'est l'enfance de Malware quand il était enfermé dans le grenier et qu'il jouait de la flûte. C'est comme ça qu'il a appris à être si bon à la flûte. Dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. Salut Doogie. My cherished friend, after many long years, we finally meet again. Tell me, how has your family been? A great thank you for playing that music for me. You know how I love the beautiful rhythm of that instrument. But we ought to take precautions, as the room is not stable. Do you still remember how the room works? You're welcome to visit anytime. Non, il a pas du tout la voix de son physique, le dragon. The piece of paper then changed back into the shape of a paper dragon and flew into the cardboard box. The box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Daniel rushed to find a watercolor pen. En fait, le gamin, il a un problème cognitif, comme disait la femme de le truc avant. Forcément. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. During this time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. C'est trop mignon, on voit un petit enfant qui s'enfonce dans la folie et c'est tout joli. That cat's name is Mrs. Carter. Ever since I secretly fed her some fish for dinner, we've been good friends. That's Duke, Mrs. Jessica's pet. He doesn't like rainy days or Mrs. Carter. Only smoke sausages for his taste. And now, we are friends too. My name is Daniel. What's your name? The paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Well, since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? I'll keep practicing to make it sound better. Daniel and Penny
then played baseball together in the attic. J'aurais peur de jeter une balle de baseball sur un machin en papier. Oh là, mais c'est le pays du QTE choupi quoi. Hop, attrape. Il me la rejette. Oh là là. Hop. Oh, c'est tellement mignon. Ah, casser la fenêtre. Bonne idée, tiens. Bon, attends, trop haut. Et rends-la-moi. Donne la balle. Donne la balle. On dirait un chien. Allez, donne. Bon, c'est relou, là. Donne la balle. But just as they were in the middle of enjoying themselves, a violent shaking sound. Ah bah voilà. Ah, ils ont doublé les chats. The stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. At this moment, the box suddenly shot open, and thick clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Monsieur Leville. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation and promptly threw them back into the box. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle, day in and day out. As the days went by, Daniel's playing became smoother. One day, the box suddenly began to move. One, two, three, four. This time there were four paper dragons. C'est complètement malware, c'est complètement. But they weren't alone. Enemies began to jump out of the box too. Small attic, the four paper dragons fought fiercely against the paper balls. This time, the paper balls use new tactics. They clump together into a single monstrous ball of paper. Il fait un élevage de dragons, malheureux. Strong bursts of electric sparks at the paper dragons as they flew through the air. Je suis captivé. As they were hit, the paper dragons fell from the air, one after the other. Oui, c'est Game of Thrones, ça peut mettre en papier. En même temps, on avait l'histoire de roi sacrifié et... Oui, pareil, Luigi Cooper. Just then, one of the paper dragons painfully started to fly and gathered the remainder of its power. The paper dragon transformed into a great beam of light and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. Came another paper dragon. Si on le savait, c'est pas rien de tout. Non, c'est un jeu inspiré des SCP, et là c'est un SCP, mais les formats sont très différents apparemment d'une histoire à l'autre. Et là c'est un peu un format livre pour enfants. Oh non, les pauvres dragons. Oui, c'est vrai, on a le même avec Halo Violet, en effet. Justement parce que c'est Manu qui l'a créé avec l'espèce de onde énergétique qu'il y a depuis qu'il est enfermé autour de lui, depuis qu'il est enfermé dans un grenier. He rushed to grab some stickers and treated them at once. Oh, les petits dragons.
c'est réparé. Suddenly, countless paper dragons. Oui, mais 16h07, Denis, je sais. Mais je veux savoir comment ça finit. Ça se trouve, ça dure une demi-heure, on ne sait pas. The two wounded paper dragons were repaired and began to fly. Like two colored threads, they merged with the other dragons, flying in unison. The dragons moved like a tide. Oui, c'est vrai que cracher du feu, c'est pas idéal pour un dragon en papier. Hein. Ils doivent cracher de la pâte à fixe ou un truc comme ça. Daniel eagerly took out his penny whistle. He showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Oh putain, mais je suis nul. Je me plante dans les boutons. C'est tout ? Ah non. Trop tôt, vu la façon dont ça bouge. Oh là, c'est génial, ça marche bien. Bon, les petites s'envolent. Ça manque de trombone complètement, Denis. Une bien belle histoire. In the sweet melody of his playing, Daniel felt himself enter into the world of dragons. Putain, ça peut durer des plombes en fait. Je me demande combien il y a de SCP en tout dans l'histoire, parce qu'ils sont quand même tous vachement travaillés, quoi. Moi, je pensais que ça allait être une suite de mini-jeux, un peu comme si au début on était dans le désert là. C'est toujours le jeu des SCP, ouais, tiens. Mais ça change beaucoup, beaucoup d'un SCP à l'autre. Les paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel to tell their story. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. But now, the giants have returned. They have launched ferocious attacks, trying to invade your world through the room. We are prepared to launch the final defense. Then we will have to destroy your room. For it is the last remaining entryway into your world. Please believe, this farewell will only be temporary. We will not be apart forever, and we will never forget our eternal mission of protecting you. Oui, c'est vrai que la voix, c'est l'intro de Eternal. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper dragons had meant, but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. A few days later, Daniel's chicken pox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well. But the paper dragons never returned. En fait, c'est juste une hallucination à cause de la varicelle.
maybe it was time to leave and move on. Earthquake warning! Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! All townspeople, please leave your houses immediately and move to safe open spaces! La varicelle soignée au LSD. On soignait tout au LSD dans les années 60, technologie. Dragon shot from the cardboard box. However, it seemed like they were under attack, spinning and falling through the air in confusion. What's happening? Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag and did his best to heal the injured paper dragons. Ils s'en fait beaucoup quand même. Ah. Comment je peux les soigner? Ils tombent, ils fondent dès qu'ils sont au sol. Si celui-là c'est bon. Je sais pas combien il a d'autocollants. Hein. Après, on n'enferme pas un enfant dans le grenier sans lui donner beaucoup d'autocollants. Ah oui, il y a un problème. But the paper balls swarm together and push Daniel away. Subduing him firmly in the corner. Il y a 4 SCP en tout, XR. Ok. Donc c'est pas trop long non plus, c'est un peu. Je me dis, putain, si on a 10 comme ça, c'est un sacré volume, quoi. Ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. Its power maniacally. The paper dragon struggled against it, with no means of fighting back. At this critical moment, two paper dragons shined brilliantly. Together, they heroically crashed their bodies into the giant. Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons. But soon, he found that things would probably not be so simple. The giant's figure could still be seen in the thick smoke, looking evil and terrible. The attacks of the paper dragons. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un tremblement de terre dans la ville, et la grand-mère n'est pas du tout venue chercher le gamin qu'elle avait enfermé au grenier, quoi. Elle est partie se réfugier. They fought back with a new ferocity. The paper dragons were simply no match for it. Dragons now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. It was Penny. It flew gently in front of Daniel. Oui, c'est possible aussi que la grand-mère soit encore plus défoncée en bas. Hein. Non, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme ça, Bratislava Boy. Hein. C'est il faut pas. Ce n'est pas un documentaire. But he didn't quite understand what. Les dragons ne marchent pas comme ça, les papiers ne marchent pas comme ça. And soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragon seemed to be summoned. They flew through the air, all together in unison. Oh non, c'est encore la musique du combat. Responding to the call without an ounce of hesitation. Mais c'est dur combien de temps ce truc-là? At that moment, Penny turned into a great red beam. Ah oui, c'est ça qui va lui détruire la chambre. Towards the giant. The other dragons followed. Shining together like a shooting star. At that moment, Daniel seemed to see. Oui, et c'est comme le précédent, c'est qu'ils savent pas doser les retournements. C'était pareil dans celui avec les mannequins là. C'est qu'il y a 2 retournements par seconde à la fin et tu sais pas quand ça va finir et ça pourrait durer pendant 10 heures en fait. The huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic.
The attic rained down with countless pieces of paper, the leftover scraps of the paper dragons. Daniel wanted to collect all of the pieces. He thought he could still fix them. Mais on peut pas, ils sont cassés les dragons. J'imagine quelqu'un qui regarderait ce stream-là et qui dirait « Oh, c'est bien comme jeu, je vais l'acheter pour mon gamin. » Et le gamin, ça commencerait par la première histoire. Alors, où est-ce qu'il y a du papier encore ? Ah là. Ah, faut les réparer. Un bien beau QTE. Alors, on commence par les coins. Ça va, c'est pas très dur. Goodbye, my friend. Oh. Succès déverrouillé, une histoire touchante. Alors c'est quel SCP celui-là ? A few days later, the art festival was. Et là, il joue la pièce du roi. Daniel attended the show with his penny whistle. Oh, c'est trop mignon. And now, Daniel Trevor will perform a penny whistle solo of a song titled Fly with me. Ah mais j'ai encore y avoir un QTE, mais j'ai me ridiculisé devant les audiences. Et c'est des mannequins en bois dans le public. Ah mais c'est complètement le biopic de Noël Malware. Hein. C'est SCP 1762, ok. Le truc. Faut vraiment que le truc soit dessus pour que ça marche. Voilà, s'il était pas pile dessus, c'est pas bon. Oh, tu vois, c'est exactement comme dans Trop Bonne Chance. T'as les images qui défilent. C'est beau comme un jeu David Cage. Mental Disorder chante. C'est un super bon jeu. Ouais, il manque le petit modèle 3D XJ. Ah là là. Story ends. Donc ça, c'est les formations que les gens voient pendant le... Ah oui, c'est clair, le changement d'ambiance, c'est pas mal du bon niveau. Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world. Oh, la boîte, elle est dans chez les SCP. Trop mignon. Into eternity. c'est un peu les milléniaux. Oh, très bien. Mais ils ont droit donc à ça comme formation. Et donc c'est SCP... Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, c'est pas mon dragon et moi. C'est SCP 1762 et moi. Ok, d'accord. Bon, et bah très bien. Bah c'est bien, du coup, on aura vu pas mal. Non, il y a des SCP qui sont inoffensifs. D'ailleurs, ils ont une... c'est un des classements. Ils sont classés par niveau de danger, le danger qu'ils représentent pour la population, tu vois.
Et il y en a qui sont très, il y en a qui sont complètement inoffensifs, d'autres qui sont extrêmement dangereux, voilà. Bon, et ben sur ce, je vais vous laisser. Bah, c'est pas mal, franchement. Mais je crains qu'on ait déjà fait la moitié du jeu. Mais sinon, c'est quand même assez cool d'avoir des changements. Ouais, ce qui bouge quand tu regardes pas, il y avait un, alors je sais plus lequel c'est. Il est CP classé choupi, ce serait trop bien. Lui, il a déjà eu son propre jeu, en fait. Mais en tout cas, voilà, ben, je vous laisse pour le moment. Demain, on se retrouve. Non, pas demain, après-demain. Après le stream du patron pour le dernier épisode de septembre pour de Twitch Délire avec un nouveau encore un nouveau niveau, ça n'arrête plus. Et ben sur ce je vous laisse et donc j'écrirai je pense un truc sur les SCP dans le prochain Canard PC, voilà. Et ben écoutez, à bientôt et merci d'avoir suivi ce stream, salut.